Le 9 octobre dernier, un détenu incarcéré à la prison des Baumettes a tué son codétenu à l'aide d'un bol en porcelaine. Les deux détenus se trouvaient dans le quartier des arrivants. Le quartier des arrivants, c'est la porte d'entrée pour toute personne qui entre en prison. En temps normal, un séjour là-bas ne dure pas plus de 10 jours. Dans ce cas précis, le premier détenu y était depuis un mois et le second depuis plusieurs semaines. Selon une source syndicale citée par l'AFP, cela faisait des semaines que ces deux détenus ne s'entendaient plus et ne se supportaient plus. Des heurts avaient très souvent eu lieu dans cette aile de la prison. Et au 24 octobre 2024, selon des chiffres cités par le ministère de la Justice, le taux d'occupation de la maison d'arrêt pour hommes de la prison des Baumettes s'élevait à 188%. Alors pendant longtemps, la surpopulation épargnait les quartiers pour femmes. Et désormais, c'est aussi le cas depuis peu. Cet énième fait divers a eu lieu dans un cadre bien particulier, la prison des Baumettes. Avec la prison de la Santé, c'est probablement la prison la plus connue de France. Albert Spaggiari, Bernard Tapie, Tanis Zampa ou Francis Lebelge y sont tous passés derrière les barreaux des Baumettes. Les Baumettes, c'est un mythe, un genre de décor de film. Seulement, pendant longtemps, les Baumettes, c'était ça. Des inondations dans les coursives, des cellules imbibées d'humidité, et des rats et des cafards à tous les étages. Ces photos, elles ont été prises dans un rapport publié par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, je vais y arriver, Jean-Marie Delarue, en 2012. Dans son rapport, voici ce qu'il disait. « C'est un miracle qu'il n'y ait pas encore eu d'épidémie de grande ampleur, tant les conditions sont insalubres. » Dans la foulée, il a écrit en urgence au garde des Sceaux pour demander à ce que ces conditions de détention elles cessent. Alors, en mai 2017, après 2 ans de travaux et de rénovation, le site des Baumettes 2 ouvre enfin. Cellules individuelles, sanitaires et douches décentes, installations modernes, l'État veut faire des Baumettes une prison modèle. À partir de 2021, les Baumettes historiques, les bâtiments, ils sont détruits. Et dans la foulée, il y a le bâtiment Baumettes 3 qui ouvre, qui prévoit 740 places supplémentaires. Ces travaux sont toujours en cours et devraient se terminer l'an prochain. Aujourd'hui, tous les détenus qui sont hébergés au Baumettes sont hébergés dans de nos nouveaux bâtiments. Alors, mission accomplie? Pas vraiment. Officiellement, la prison dispose de 710 places. Seulement, aujourd'hui, on compte plus de 1000 détenus dans la prison des Baumettes. Le jour de l'inauguration des nouveaux locaux, les Baumettes 2 débordaient déjà. Alors nous avons contacté la prison des Baumettes pour visiter le site. Nous leur avons également posé plusieurs questions sur la surpopulation qu'on pouvait observer dans certains quartiers et l'encellulement individuel qui était respecté ou non. La prison des Baumettes nous a refusé l'accès pour cause de plusieurs tournages en cours et a refusé de nous répondre malgré nos relances. La prison des Baumettes, il faut que vous le compreniez, ce n'est pas une exception. En fait, toutes les prisons de ce pays débordent et elles débordent chaque jour un peu plus. Alors, je vais essayer de ne pas vous noyer sous les chiffres ce soir, promis, mais il y a quelques données qui me semblent hyper importantes de vous partager. Cela, par exemple. Ce sont les chiffres d'occupation des prisons françaises fournis par le ministère de la Justice, ou plutôt des chiffres de suroccupation. Au 1er septembre 2024, comme vous pouvez le voir, la France comptait 79 000 détenus pour 62 000 places. Nos prisons sont donc suroccupées à 127%. Au passage, vous pouvez vous dire que la plupart des détenus sont des hommes à 96%. Mais concrètement, ça veut dire quoi ces chiffres? Ça veut dire que la plupart des détenus censés être enfermés seuls sont enfermés à 2, voire à 3 dans des cellules de 9 mètres carrés. Ça veut dire que la plupart des détenus sont enfermés entre 20 et 22 heures sur 24 chaque jour dans des cellules surpeuplées. Ça veut dire que 30 à 35% des détenus sont atteints de troubles psychiques et ne sont pas pris en charge. Et ces chiffres, ils disent qu'une toute petite partie de la réalité qui est vécue par ces détenus. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que la prison est un univers, avec ses codes, ses abréviations et son langage. Quand on parle de prison, on parle en fait de deux choses. Les centres de détention, dans lesquels sont enfermés les détenus qui sont déjà condamnés, et les maisons d'arrêt, dans lesquelles les détenus sont en attente de jugement ou condamnés à des courtes peines, des peines de moins de 2 ans. Et là, ça se complique. Comme vous allez le voir, les maisons d'arrêt, elles sont beaucoup, beaucoup plus surpeuplées que les centres de détention. D'ailleurs, ces centres de détention, ils ont ce qu'on appelle un numerus clausus, c'est-à-dire un nombre maximal de détenus qu'on ne peut pas dépasser, contrairement aux maisons d'arrêt.
Et donc, si on prend uniquement les maisons d'arrêt, eh ben, on s'aperçoit que, les maisons d'arrêt en moyenne, elles sont en surcapacité moyenne de 154%. C'est comme si là, la fabulerie, on n'était pas 100, mais 154. Ça ferait une légère différence, non? Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que ces chiffres, en plus, c'est une moyenne. On l'a vu, à la maison d'arrêt pour hommes des Baumettes, ce chiffre, il atteint 188%. En juillet 2023, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour traitement inhumain et dégradant. Et ce n'était pas la première fois. En tout, la France, elle a été condamnée à 17 reprises par cette Cour. En janvier 2020, voilà ce qu'on pouvait lire dans les conclusions de ce rapport. Les taux d'occupation des prisons concernées révèlent l'existence d'un problème structurel. Et la Cour, elle demande à la France l'adoption de mesures générales visant à supprimer le surpeuplement et à améliorer les conditions matérielles de détention. Alors depuis plusieurs années, ce qu'il faut comprendre, c'est que la France, c'est un des seuls pays européens, de l'Union européenne, qui voit sa population carcérale augmenter. Pendant le même temps, des pays comme la Suède, le Danemark, l'Italie ou l'Irlande voient tous leur nombre de détenus diminuer. Aux Pays-Bas, les autorités louent même des places de prison libres à la Belgique. En Allemagne, quand une prison atteint 90% de sa capacité, elle se déclare en suroccupation et elle n'accepte plus aucun détenu. En France, on a des seuils d'alerte. À la maison d'arrêt de Bordeaux, ce seuil d'alerte, combien, à votre avis ? 190%. Alors, s'il y a une personne qui peut nous aider à comprendre la situation actuelle des prisons françaises, c'est elle, Dominique Simoneau. Elle est contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. C'est une autorité administrative indépendante qui est chargée de veiller aux conditions de détention des détenus. Ce qui est bien pour nous, c'est qu'elle a été longtemps journaliste, d'abord pour Libération, puis pour Le Canard Enchaîné. Donc elle connaît un peu son domaine. Elle a été nommée en octobre 2020 par Emmanuel Macron. Elle devait être avec nous ce soir, malheureusement elle doit être à la prison de Troyes demain matin, donc elle ne pourra pas être là. Quand je lui ai demandé le pire taux de suroccupation qu'elle avait pu observer dans une prison française, elle m'a répondu 250%. Des taux qu'elle avait pu observer dans la prison de Toulouse, de Perpignan ou de Bordeaux. Tout le monde est à 3 par cellule, parfois 4. Les gens, quand vous descendez la nuit pour aller aux toilettes, vous pouvez vous casser la figure sur le type qui dort sur un matelas au sol. À Tarbes, j'ai vu un monsieur de 81 ans qui dormait sur un matelas par terre, au milieu des vermines. À Tarbes, encore, il y a des prisonniers qui préfèrent dormir à deux sur le lit qui est très peu large, tête bêche, pour ne pas être en contact avec les cafards par terre. Je ne sais pas si on se rend bien compte à quel point ça ronge le système. Et comment vous voulez croire que la République a encore des valeurs quand elle vous enferme dans ces conditions? Alors, face à cette situation, que fait le gouvernement? Je vous propose d'écouter Michel Barnier lors de sa déclaration de politique générale. On l'écoute. Les Français demandent enfin à ce que les peines soient réellement exécutées. Il est nécessaire que les jugements soient respectés, que les peines soient exécutées sans être transformées, au risque de faire perdre toute crédibilité à la réponse pénale. C'est pourquoi nous proposons des peines de prison courtes et immédiatement exécutées pour certains délits. Je pense qu'il nous faut également réviser les conditions d'octroi du sursis et limiter les possibilités de réduction ou d'aménagement de peine. Voilà, notre nouveau Premier ministre l'a dit, les Français veulent que les délinquants aillent en prison, y compris pour des courtes peines. Et pour ça, le gouvernement il a une solution, construire de nouvelles places de prison. Écoutons Michel Barnier à nouveau. Pour réaffirmer le rôle dissuasif de la sanction, nous devons construire réellement des places de prison. La France compte actuellement 80 000 détenus pour environ 62 000 places. Ce nombre de places est très insuffisant et j'ajoute, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, qu'il nuit à la dignité des conditions de détention. Il est donc urgent de construire de nouvelles places de prison, déjà engagées par les gouvernements précédents. Mais devant l'ampleur du chantier, il faut aussi diversifier les solutions d'enfermement ou de surveillance effective
au profit en fonction du profil de la personne détenue et de la peine prononcée, notamment pour les mineurs délinquants. Je suis à ce titre favorable à la création d'établissements nouveaux pour les courtes peines. Construire de nouvelles places de prison pour enfermer davantage, la stratégie n'est pas nouvelle. En mai 2017, Emmanuel Macron, après son élection, a lancé son plan 15 000. Objectif, construire 15 000 nouvelles places de prison. Ce plan est toujours en cours de déploiement, la moitié des places a été livrée à peu près, et le reste devrait l'être d'ici à 2027. Alors j'ai parlé de ce plan à Dominique Simonneau, la contrôleuse générale de lieux de privation de liberté, avec qui j'ai parlé tout à l'heure, et quand je lui ai demandé ce qu'elle pensait de ce plan, elle a été très claire. Plus on construit, plus on enferme. La preuve, en 1991, la France comptait 40 000 places de prison pour 47 000 détenus. 30 ans plus tard, je vous l'ai dit, on est à 62 000 places pour 79 000 détenus. Et le pire, c'est que l'administration pénitentiaire prévoit déjà une augmentation du nombre de détenus dans les prochaines années. Alors je sais, depuis tout à l'heure, je vous ai cité beaucoup de chiffres, désolé. Seulement, je pense qu'il est important de se rappeler ce soir que derrière chaque chiffre, il y a un détenu, un vécu et une histoire. Pour cette enquête, je me suis beaucoup démené pour essayer de vous faire rencontrer et échanger avec des détenus. Malheureusement, la plupart des détenus avec qui j'ai échangé ont refusé de monter sur scène. Mais parmi eux, il y a un détenu qui s'appelle Hassan. Nous avons modifié son prénom à sa demande. Il a 24 ans aujourd'hui. Il était encore mineur quand il a pris 3 ans de prison ferme pour trafic de stupes. Il a été envoyé à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelones, près de Montpellier. Et le premier truc dont il me parle quand je le rencontre, c'est la cantine. Il me parle des prisons où on lui a servi une baguette de pain pour repas, celle où on lui sert du poulet tellement sec qu'il a le goût d'une semelle de chaussures, et puis celle où il y a du poisson pané. Celle-là, c'est le top, il me dit. Comme les autres, Hassan n'a pas souhaité être enregistré. Nous nous sommes permis de réenregistrer sa voix à partir de son interview. Il nous parle de son séjour à la prison de Villeneuve-les-Maguelones, près de Montpellier. On l'écoute. C'était une prison de malades. À chaque promenade, ça se tapait dessus, c'était violent. Tu passes 22 heures sur 24 en cellule, tu sors jamais, tu deviens fou. En fait, tout part de l'ennui. Du coup, tu fais des conneries. Bon, et les surveillants pénitentiaires dans tout ça? En fait, ce dont je me suis aperçu, c'est que eux aussi, ils subissent les taux de suroccupation des prisons. J'ai contacté Paul Courtarot, responsable CGT pénitentiaire PACA Corse. Dans un mail, il m'explique les conséquences de la surpopulation carcérale à la prison des Baumettes et plus généralement dans toutes les prisons de France. Avec des établissements surpeuplés, le risque d'incidents violents s'accroît. Les surveillants sont de plus en plus exposés à des situations dangereuses, ce qui accroît le stress et la fatigue, deux facteurs qui peuvent gravement altérer leur santé physique et mentale. La mission première des surveillants est de garantir la sécurité, mais aussi de contribuer à la réinsertion des détenus. Or, la surpopulation rend difficile un accompagnement individualisé et adéquat, entravant ainsi les efforts de réhabilitation et augmentant les risques de récidive. Mais alors, comment on en est arrivé là? Pourquoi cette passion française a enfermé? Depuis 1875, le principe d'une personne par cellule est pourtant inscrit noir sur blanc dans le code pénal. Mais ce principe est resté un principe, puisqu'il n'a jamais été appliqué dans l'histoire de la justice française. Tous les témoins rencontrés durant cette enquête s'accordaient sur un point. Depuis les années 90, et encore plus depuis les années 2000, le code pénal s'est énormément durci au fil des lois. Nicolas Sarkozy, en tant que ministre de l'Intérieur, puis en tant que président de la République, a multiplié les projets de loi répressifs. Le principe, à chaque fait divers sordide, une nouvelle loi. L'objectif, démontrer auprès de l'opinion publique qu'il agit contre la délinquance. C'est ce que le magistrat et essayiste Denis Salah appelle le populisme pénal dans un livre qui s'appelle « La volonté de punir ». Et la pratique est loin de s'être arrêtée avec Nicolas Sarkozy. L'actualité nous en a donné des exemples récents. Le 21 septembre dernier, le corps de Philippine Lenoir de Carlan, une jeune femme de 19 ans, est retrouvé dans le bois de Boulogne à Paris. Quelques jours plus tard, un homme de nationalité marocaine est interpellé en Suisse. On va l'apprendre rapidement, mais il est frappé d'une obligation de quitter le territoire français, une OQTF. Du coup, dans la foulée, la droite et l'extrême droite se lâchent dans les médias. Ils ne dénoncent pas le 104e féminicide de l'année, non. Ils préfèrent dénoncer le laxisme des autorités françaises qui laisseraient ces délinquants agir comme ça sans les expulser. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur,
Il rejette la faute sur le juge d'application des peines et il n'hésite pas à demander à durcir la législation. Ce populisme pénal, l'Observatoire international des prisons l'analyse depuis de longues années. Ça tombe bien, Prune Missoff, responsable plaidoyer à l'association, est avec nous. Merci de l'accueillir chaleureusement. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci. Merci de l'invitation. Je voulais savoir déjà, ce genre de déclaration là qu'on a pu entendre au lendemain de ce genre de faits divers, est-ce que c'est nouveau ? Non, c'est extrêmement habituel et ça prend même une part assez centrale dans les annonces politiques et le traitement médiatique. Et c'est aussi extrêmement dommageable. D'abord parce que ça fait croire que le risque zéro serait quelque chose d'atteignable. Le risque zéro n'existe pas. Évidemment qu'il va y avoir des personnes qui récidivent. On n'est pas sur un cas isolé. Alors c'est un cas isolé que ce soit des faits aussi dramatiques et c'est pour ça que c'est mis à la une de cette manière. Mais en réalité, c'est une problématique qui est structurelle. Aujourd'hui, vous avez près de 60% des personnes qui sortent de prison qui récidivent dans les 5 ans. Et la responsabilité, le premier responsable de cette problématique, en fait, c'est avant tout le système pénitentiaire. Vous l'avez dit dans les grandes lignes, mais quand on a 7 personnes sur 10 qui sont enfermées dans des établissements, ils vont passer 22 heures sur 24 dans 9 mètres carrés à 2 ou 3, quand vous avez des conditions indignes de détention, des établissements qui sont insalubres, vétustes, dénuisibles, quand vous avez des carences dramatiques dans tous les domaines, dans l'accès aux soins, dans la question de l'enseignement, les conseillers d'insertion et de probation qui sont bien trop peu pour accompagner, quand vous avez tout ça, et j'insiste là-dessus parce qu'à l'OIP, on reçoit vraiment quotidiennement des témoignages là-dessus. Donc, des détenus qui vous appellent, qui vous écrivent Exactement, qui nous sollicitent tous les jours pour nous partager tous ces droits qui ne sont pas respectés. Et en fait, la question, ce n'est pas tellement de savoir comment ça se fait que là, il y ait une récidive. La question, c'est plutôt comment on peut penser que ce système-là pourrait permettre structurellement d'éviter la récidive. En fait, on est dans un modèle où on ne pense pas à la sortie de prison. Et typiquement, là, on dit, voilà, vous avez une personne qui récidive alors qu'elle est sous aménagement de fin de peine. Tout à coup, la justice est laxiste, la personne n'aurait pas dû sortir de manière anticipée. Mais la personne va être libérée. En fait, les personnes détenues, elles ont vocation à sortir à un moment donné. Donc l'aménagement de fin de peine, son rôle, c'est justement de créer une transition entre le moment de la détention et le retour à la liberté pour être plus accompagné, pour pouvoir préparer un projet de sortie et justement diminuer la récidive. Et ça, c'est censé être le principe, au contraire de ce qu'on appelle la sortie sèche. Donc, c'est-à-dire vous sortez du jour au lendemain. Et aujourd'hui, la sortie sèche, ça concerne entre 2/3 et 3/4 des personnes détenues qui sortent de détention dans ces conditions-là. Donc ça, c'est le premier point, c'est que c'est extrêmement dommageable en termes de ce que ça fait croire à l'opinion publique. Et le problème, c'est que tout ça, ça va aussi participer au durcissement des politiques pénales, puisque en fait toutes ces annonces politiques, tous ces traitements médiatiques vont faire croire constamment que la prison ce serait la solution à tous ces problèmes. Et ce qui est absolument délirant, c'est que derrière ils vont dire mais on peut pas faire autrement, c'est l'opinion publique qui nous demande. C'est exactement ce que fait Michel Barnier dans son intervention. Les Français, les Françaises nous demandent de. Alors qu'en fait ils ne questionnent pas du tout le fait que ce sont eux qui façonnent cette opinion publique. En disant il y a une augmentation de l'insécurité, il y a une augmentation de la délinquance, alors que en fait ce sont eux qui augmentent un sentiment d'insécurité. Et ça c'est pas uniquement nous qui le disons, vous avez la Cour des comptes qui le dit, qui dit aujourd'hui l'augmentation du nombre de personnes détenues, elle n'est pas due à une augmentation de la délinquance. Vous avez des études de victimation qui sont faites par l'INSEE, qui montre qu'il y a une certaine stabilité dans les faits de délinquance. Et qu'à côté de ça, vous avez un durcissement des politiques pénales et que ça n'est pas perçu par l'opinion publique. Justement, sur cette évolution du nombre d'infractions punies d'emprisonnement, est-ce que c'est un truc que vous avez pu observer? Et globalement, on voit que, bah, je sais pas, il y a de plus en plus de lois qui sont de plus en plus dures. Oui, alors c'est quelque chose qui se fait dans le temps long. Et il y a une étude très intéressante qui a été publiée en 2022. Par Le Monde, c'est un article signé de Jean-Baptiste Jacquin qui revenait sur le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, donc on était sur 5 ans, et qui constatait qu'il y avait eu au moins 120 infractions punies de prison qui avaient été créées ou durcies en seulement 5 ans.
Okay. En un seul mandat. Et donc soit des faits qui n'étaient pas punissables de prison et qui du jour au lendemain le deviennent, soit punissables de prison et on augmente la peine encourue. Et nous, à l'OIP, on a voulu justement se concentrer aussi sur tout ce qui était propositions, annonces politiques, parce qu'on voit bien que ça participe de cette banalisation de la prison dans les discours, mais aussi du coup que ça a un impact direct dans le prononcé des peines. Et on a regardé, nous, uniquement sur 6 mois, on a fait le premier semestre de 2023 et on a constaté au moins 200 propositions de modifications législatives qui visaient à créer soit des nouvelles infractions punies de prison, soit à durcir les peines. Ok. Est-ce qu'il y a un exemple récent qui vous vient en tête d'une loi en particulier ? Oui. Alors peut-être un exemple qui pourra parler facilement, c'est la proposition de loi sur la sécurité dans les transports qui a été adoptée par le Sénat. En fait, c'était en préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc cette proposition de loi est adoptée par le Sénat avec le concours du gouvernement qui décide de faire une procédure accélérée pour que le texte passe devant l'Assemblée nationale avant les JOP. Donc c'était vraiment clairement affiché que c'était en vue de cet événement-là, et le texte prévoyait de punir de 6 mois de prison la répétition habituelle d'à peu près une trentaine de comportements dans les transports en commun. Et quel genre de comportement, genre ? Comme mendier dans les transports en commun ou aux abords des gares, empêcher la fermeture des portes, il y avait aussi jouer de la musique, vapoter. Voilà. Alors ce texte, comme il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale, il a été rendu caduc comme tous les textes en cours d'examen à ce moment-là, donc on pensait qu'on n'en parlait plus. Et en réalité, fin juillet, le président du Sénat peut décider de remettre sur la table des discussions un certain nombre de textes et a décidé de remettre ce texte à la discussion. Et c'est là aussi où on voit que, au même titre que les faits divers, dits divers qu'on mentionnait, en fait, ce type d'événement, c'est un petit peu un prétexte pour faire passer des nouvelles choses. Et après, ça s'ancre dans... Une fois qu'on a banalisé, en fait, ce recours-là, ça s'ancre dans le quotidien. Donc demain, potentiellement, si on vapote à de multiples reprises dans le métro, on peut finir en prison. Alors, le texte n'a pas encore été voté. Le texte est encore sur la table des discussions à l'Assemblée nationale. N'hésitez pas à écrire à vos députés pour leur dire ce que vous pensez de ce texte. Voilà. Mais d'ailleurs, il n'y a pas eu que ça avec les Jeux olympiques et paralympiques. Vous avez aussi eu la création d'audiences supplémentaires de comparution immédiate. Comparution immédiate, c'est une procédure de jugement extrêmement rapide qui est très pourvoyeuse d'incarcération, puisque si vous passez en comparution immédiate, vous avez à peu près 8 fois plus de risques d'avoir une peine de prison ferme qu'en procédure classique. C'est assez logique, ça va extrêmement vite, il n'y a pas du tout le temps de regarder le dossier. Évidemment, c'est des populations précaires qui passent en comparution immédiate. Et donc, pour les JOP, ils décident de créer des nouvelles audiences. Et là, en octobre, ça y est, il y a une déclaration du procureur de la République à Bobigny qui dit qu'il souhaiterait maintenir l'audience supplémentaire dans le temps long. Et donc, on voit qu'on a banalisé et qu'aujourd'hui, c'est OK de demander ça. Pour vous, vous l'analysez depuis longtemps, mais comment est-ce qu'on explique cette passion française à incarcérer ? On voit que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que la France est aussi pourvoyeuse de détenus ? Ben, en fait, je pense que les problématiques, on les a déjà listées quasiment toutes. Hein, ce durcissement des politiques pénales. Alors, pourquoi on va là-dedans plutôt que de prendre acte des échecs et de passer à autre chose ? C'est difficile de se mettre dans la tête de dirigeants dont la logique nous échappe régulièrement. Ce qui est clair, c'est qu'on a un problème de désinformation de masse. On est sur des annonces politiques qui sont là pour presque faire un show, pour montrer que les problèmes sont pris à bras-le-corps. Et c'est vraiment... On le voit dans la déclaration de Michel Barnier, crier à qui veut l'entendre qu'il faut augmenter les courtes peines, qu'il faudrait étendre la comparution immédiate, donc la procédure dont je parlais juste avant, aux mineurs, qu'il faut augmenter encore le nombre de prisons. C'est absolument aberrant quand on sait qu'en réalité, on est à 80 000 personnes détenues, que dans les maisons d'arrêt, on est à 155% d'occupation en moyenne. L'administration pénitentiaire vient de dire qu'en 2025, ce serait 164%. En moyenne, si on reste sur cette lignée, donc même pas si on aggrave la situation, si on reste sur cette lignée. Donc la problématique principale, elle est de refuser de voir la réalité, de refuser de dire
je pense à la population, ce qu'il en est, et de s'entêter dans des solutions qui ne fonctionnent pas. La construction de prisons, ça fait 30 ans. On construit des prisons, on enferme davantage de personnes, et en attendant, on a 5 milliards de dettes, juste d'euros de dettes, juste pour la construction de prisons, et on continue à penser que ça va résoudre le problème. Est-ce que on pense à, je sais pas, est-ce que vous pensez à un pays en particulier qui avait à peu près ce genre de taux d'occupation, de suroccupation, et qui s'en sort aujourd'hui, qui a réussi à s'en sortir? Alors, c'est difficile de trouver un pays modèle parce qu'on a toujours des... Enfin, il faudrait une étude très poussée en réalité de quelles sont nos cultures différentes, nos cultures politiques, nos cultures juridiques, comment fonctionne le système pénal, etc. Mais il y a des exemples peut-être circonstanciés, plus précis, par exemple, sur... alors, ce n'est pas dans ce sens-là, mais c'est plutôt un bon exemple sur la détention provisoire en Irlande. On a un nombre de personnes en détention provisoire pour 100 000 habitants, puisque difficile de comparer autrement, qui est deux fois moindre par rapport à la France. Et d'après des études qui ont été menées, la raison principale, ce serait vraiment une question de prisme. C'est-à-dire que le procureur de la République, il ne va pas dire pourquoi il pense que la détention provisoire, elle est nécessaire. Il va dire... pourquoi ils pensent que la libération sous caution, elle est insuffisante. Et donc, en réalité, on voit que le modèle juridique, il n'est pas si différent que ça, que c'est vraiment dans l'approche, dans la pratique juridictionnelle que ça change. Et il y a un autre exemple que je trouve quand même très intéressant et qui est très actuel, c'est le Royaume-Uni, qui, début juillet, a annoncé, je ne sais pas si vous avez entendu parler, un plan de libération anticipée de personnes détenues. Parce qu'il disait nos prisons sont à l'asphyxie, je ne sais plus quelle était l'expression de la ministre de la Justice, qui était, oui, de bombes à retardement dans les prisons. Enfin, vraiment, on était dans une situation catastrophique. Donc on s'y est intéressé, on s'est dit, oulala, à quel point ils doivent en être, eux. Et en fait, ils risquaient d'atteindre 100% d'occupation au niveau national. Rappel, 154% voilà. En moyenne pour les maisons d'arrêt en France. Ouais. Ok. Merci beaucoup, Prudemysov, d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous. En deuxième partie, il y a un débat qui est organisé, donc vous pourrez évidemment dialoguer et poser toutes vos questions. Merci beaucoup, on peut la raccompagner. Bon, ok. Avec tout ça, on pourrait se poser la question, est-ce que la prison est efficace? Finalement, si tous les détenus qui passent par la case prison, ils se tenaient à carreau, où est le mal, on pourrait se dire? Tiens, on va faire un petit sondage. Selon vous, c'est quoi le taux de récidive d'un détenu moyen en France? C'est-à-dire un détenu qui retourne en prison quelques années après sa première incarcération. En pourcentage? 60? 70? 80? Ok. Ok. Selon des chiffres cités par le ministère de la Justice en 2016, 54% des hommes passés par les prisons françaises récidivent dans les 3 années qui suivent leur incarcération. En gros, un détenu sur deux retourne en prison après sa sortie de prison. Alors le pire, c'est que cette politique, elle a un coût social, on l'a un peu vu, mais aussi économique. Un détenu, un séjour en prison, coûte chaque jour 99 euros par jour aux contribuables. Si vous rapportez ça au nombre de détenus, que vous y ajoutez les frais de rénovation, de reconstruction des prisons, vous obtenez 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros, c'est le coût de l'incarcération en France, d'après un rapport de la Chambre de la Cour des comptes publié en octobre 2023. Et pour vous faire un ordre d'idée, 4 milliards d'euros, c'est 40% du budget du ministère de la Justice. Pourtant, la surpopulation carcérale n'est pas une fatalité. Tiens, on va regarder ce graphique. C'est l'évolution mensuelle du nombre de détenus entre 2014 et 2024. Vous voyez au milieu, il y a un gros trou là. Ça, c'est le Covid. Ok, entre mars et avril 2020, il y a eu 10 000 détenus en moins dans les prisons françaises. La délinquance, est-ce qu'elle a explosé dans le même temps? À vous de juger. Alors oui, il y avait le couvre-feu, oui, il y avait des restrictions de déplacement, donc oui, mécaniquement, le nombre de délits, il a diminué. Mais dans les mois qui ont suivi, la France n'a pas été plongée dans un déluge de violence pour autant. Alors si depuis, le nombre de détenus est reparti à la hausse et ne cesse d'augmenter depuis, cette période a été une des rares remises en question d'un modèle carcéral à bout de souffle. Et cette expérience, eh ben certains aimeraient bien la voir se prolonger. C'est notamment le cas de Morgane Donat-Pernier. Il est juge d'application des peines au tribunal de grande instance de Marseille. Je vous propose de l'écouter. Ils essayent de maintenir un dispositif inspiré du Covid. On l'écoute.
on a convenu avec l'ensemble des acteurs de prévoir un dispositif d'intervention une fois que le seuil d'alerte est déclenché, actuellement fixé à 170%, pour permettre la libération de personnes qui sont prochainement libérables, qui sont entre 3 et 9 mois de leur fin de peine, des personnes qui sont condamnées pour des infractions qui ne présentent pas comme ça a priori de risque particulier, des personnes qui ont manifesté des comportements tout à fait corrects au cours de leur parcours d'exécution de peine et qui ont un endroit pour pouvoir poursuivre l'exécution de leur peine, mais du coup dans des conditions à la fois plus sereines pour elles et plus efficaces en termes de préparation à la réinsertion et de prévention de la récidive du coup. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions. Si on veut agir sur le nombre de personnes, sur la surpopulation carcérale, pardon, il faut agir sur le nombre de personnes qui entrent en prison. On pourrait pas, alors je me suis posé la question, est-ce qu'on pourrait pas appliquer un nombre maximum de détenus par prison? Après tout, ça devrait être le principe. Une prison est remplie, on la remplit plus. Sauf que c'est pas si simple, évidemment. Frédérique Iragne, elle aussi, est juge d'application des peines au tribunal de grande instance de Marseille. Elle nous explique pourquoi c'est pas si simple. Ça a pu fonctionner, mais après, c'est le genre aussi d'aménagement qui trouve ses limites, moi je dirais, et par rapport à ce qui était dit précédemment aussi, c'est que c'est des limites liées aux situations. En fait, on vit aussi dans une société, et Marseille, malheureusement, est une ville qui est quand même très frappée en termes de précarité, au niveau de l'hébergement, au niveau de l'emploi, au niveau de la vie sociale en général, qui font que, bien souvent, et peut-être là, c'est le JAB qui parle à tort, mais on recourt à l'incarcération en disant qu'on n'a pas d'autre solution au moment de l'audience. Et pour le coup, on est vite désœuvré pour des gens qui ont des problèmes d'hébergement, qui ont des problèmes d'emploi, qui ont des problèmes de fréquentation. Il faut les couper d'un milieu dans lequel ils sont, mais on n'a pas d'autre solution. Et malheureusement, la seule solution qu'on propose à ce stade, c'est l'incarcération, qui n'est pas la meilleure solution, qui n'est même pas une bonne solution en soi, mais on n'en a pas beaucoup d'autres non plus, il faut être assez honnête là-dessus. Et oui, parce que pour aménager des peines, il faut des structures qui permettent d'accueillir les détenus. Parmi ces structures, il y a Graines de Soleil. C'est une structure que j'ai découverte à Châteauneuf-les-Martigues. Ils font avec les détenus ce qu'on appelle du maraîchage d'insertion. C'est-à-dire qu'ils prennent le principe du chantier d'insertion, mais autour de la culture de fruits et légumes. Parmi les détenus que j'ai rencontrés là-bas, il y a Hassan, dont je vous ai parlé au début de l'enquête. Et il y a Enzo. Lui, il a 22 ans et il a un bracelet à la cheville quand je le rencontre. Le jour où je les rencontre, ces deux-là, ils sont dans une serre, en train de cueillir des concombres. Ici, ils sont embauchés pour un contrat de 26 heures, payé au SMIC. En vrai, le problème, ce n'est pas la surpopulation, c'est le manque d'activité, me dit Hassan. De son côté, Enzo me dit, ici au moins, on travaille, on s'active, on ne fait pas rien. À ma détention à Luynes, j'ai passé ma détention à envoyer des lettres pour obtenir des trucs. Et à la fin, j'ai rien obtenu du tout. Tout ce que j'ai obtenu, c'était la promenade. Un peu plus loin, il y a un autre détenu. Il n'a pas souhaité donner son vrai prénom, on va l'appeler Mika. Mika, il est en semi-liberté, c'est-à-dire qu'il travaille la journée à Graines de Soleil et le soir, il retourne à la prison de Luynes. Il est papa d'un enfant de 3 ans et est séparé de son ex-femme. Quand j'arrive, il est devant un immense plateau avec plein de petits pots de terre et il plante très délicatement des graines dans ses pots. De ses propres mots, il a fait beaucoup, beaucoup de séjours en prison. Et pour m'accueillir, il me dit « Je suis en semi et je plante des semis. » Il a de l'humour. Quand il est arrivé à Graines de Soleil, il ne décrochait pas un mot. Il s'embrouillait avec tout le monde et voulait se frapper. Elia, son encadrante qu'on voit ici en photo, elle me dit « Lui, quand il est arrivé, je ne le supportais pas. Quand je vois son évolution, c'est impressionnant. Il parle et il s'entend avec tout le monde maintenant. » Après 6 mois à Graines de Soleil, Mika arrive enfin à discuter avec les autres. Et il me l'explique comme ça. Il me dit « Je crois que mon cerveau était resté bloqué là-bas. Quand on sort de prison, c'est hyper déstabilisant. On passe d'un univers fermé où on rencontre toujours les mêmes tronches à un univers ouvert où on croise des personnes venues de partout. C'est hyper difficile de s'adapter. » Pour en parler, je vous propose d'accueillir Léa Ruiz. Elle est responsable pédagogique chez Graines de Soleil, animatrice pédagogique. J'avais promis que je ne manquais pas, évidemment je l'ai fait. Merci de l'accueillir chaleureusement. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous.
Je voulais tout simplement vous demander, pour commencer, comment est-ce que vous travaillez avec les détenus à Graines de Soleil, concrètement ? Alors, à Graines de Soleil, il y a deux équipes différentes. Donc, il y a une équipe encadrante qui, sur place, va encadrer les personnes détenues sur le travail d'ouvriers agricoles ou sur des chantiers extérieurs d'aménagement, ou bien sur, comme on a entendu, Mika à la pépinière qui va semer, donc sur les différentes activités agricoles, mais aussi après prolonger sur la vente, etc. Donc il y a des encadrants qui vont vraiment encadrer le travail pour expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, pour enseigner, mais aussi pour accompagner en cas de problème ou ne serait-ce que juste pour accompagner les personnes pendant tout leur parcours. Donc tous les salariés en insertion, y compris les personnes détenues qui sont salariés en insertion chez nous, sont accompagnés. Et donc on va aussi avoir des personnes, donc des accompagnateurs sociaux qui vont aussi accompagner en dehors du travail pour résoudre les freins périphériques liés aux problématiques d'accès à l'emploi. Donc le logement Par exemple, ce que vous avez évoqué, donc le logement, ça peut être aussi la barrière de la langue, des personnes qui ne parlent pas bien français, donc on peut proposer des cours de français, donc on essaye de proposer des solutions, de l'aide, et on essaye d'être un tremplin pour résoudre les freins périphériques, pour avoir l'accès à l'emploi durable ou pour avoir accès à une formation qui est validante, etc. Et je crois que vous travaillez à l'UINE en particulier. Est-ce que voilà. Vous pouvez nous décrire un peu ce que vous y faites ? Alors moi, je ne suis pas encadrante du coup sur la structure Graines de Soleil. Je suis animatrice pédagogique. Donc je suis animatrice pédagogique jardin. Donc là, je vais enseigner le potager toute l'année. En prison, donc à la prison de Luynes et au Beaumet que vous avez mentionné. Donc au Beaumet, c'est ma collègue qui travaille, donc moi je ne sais pas exactement entièrement comment ça fonctionne, mais en tout cas moi j'interviens à Luynes et sur le jardin on fait des ateliers donc une fois par semaine autour du jardin. Donc l'idée c'est vraiment de déjà sortir hors des murs, hors du bâtiment, être en extérieur, prendre l'air. Le jardin est vraiment très grand. Faire du travail manuel, hein, vous me parlez d'être occupé, faire des choses, donc être concentré. Et c'est aussi un lieu qui est neutre. Donc c'est un lieu où on va pouvoir discuter de divers sujets, où il va y avoir aussi le personnel de la détention, donc les surveillants, qui vont eux aussi être dans cet environnement neutre. Donc ils vont pouvoir communiquer avec les détenus différemment, ou les détenus approcher les surveillants aussi et surveillantes différemment. Et donc on va faire tout simplement du jardinage ensemble et profiter de l'opportunité du jardinage pour faire de la cohésion sociale, pour se rencontrer, pour aborder divers sujets, pour faire de la sensibilisation, que ce soit à l'alimentation durable, que ce soit à la santé, que ce soit tout simplement à divers sujets, parce que les détenus, quand ils viennent, ils ont des questions, ils ont de la conversation. Voilà. Je vais vous demander comment ils vous accueillent la plupart du temps. De manière générale, c'est très bien accueilli. Ils sont très contents de faire des activités. Donc là, moi, à la SAS de Luynes, il y a donc jusqu'à... La SAS, c'est le service de... Peine aménagée, voilà. Et donc, en fait, il va y avoir... Il y avait pas mal d'activités qui sont proposées. Hein. Ils font des sorties dans les calanques, de la randonnée, il y a de la boxe, il y a du dessin. Donc malheureusement, là, cette année, il y a eu des réductions budgétaires drastiques. Donc il y a beaucoup moins d'activités qui sont organisées. Mais de manière générale, ils sont très contents quand il y a une activité. Ils sont assez curieux. Donc il y en a plus pour d'autres où ça peut être plus difficile de se bouger. Il y en a qui ne dorment pas la nuit. Il y a des difficultés individuelles. Mais de manière générale, ils accueillent très volontiers les activités. Ils sont très contents de participer. Il y en a même beaucoup qui sont volontaires. C'est assez rare d'avoir des personnes qui sont très problématiques lors des activités. Et quel type de résultats vous voyez au fil des sessions ensemble ? Il va y avoir des personnes qui peut-être au début sont pas très intéressées, ils comprennent pas trop ce qu'ils font là, parce qu'il y en a parfois qui sont placés à l'activité sans nécessairement avoir demandé. Il y en a par contre, ils ont fait une lettre de motivation pour venir, donc déjà ça va dépendre aussi de comment ils ont été accompagnés pour accéder à l'activité. Mais de manière générale, petit à petit, ils sont plus ouverts, ils sont plus à l'aise, il va y avoir un dialogue qui s'installe. Moi, je suis toujours assez agréablement étonnée en tout cas, des questions. Il y a beaucoup de questions sur divers sujets. Il y en a beaucoup qui regardent la télévision et qui regardent des documentaires notamment. Et ils me disent, moi j'ai entendu parler des problématiques d'agriculture, ouais, les paysans qui manifestaient, etc.
Donc il y en a qui s'intéressent à divers sujets ou des choses qu'ils ont entendues et qui mobilisent pendant l'activité, et ça donne lieu à des conversations très intéressantes, ça donne lieu à des échanges très enrichissants, et aussi que ce soit entre moi, les personnes détenues avec moi, mais aussi avec le personnel de détention. Donc ça crée vraiment une communication différente, un canal de communication vraiment différent et des liens aussi différents. Concrètement, là, ce type de peine et le développement des peines alternatives en général, est-ce qu'il permet, selon vous, de limiter le risque de récidive, même si, évidemment... Limiter le risque de récidive, je n'ai pas les chiffres pour nous à la sortie de Graines de Soleil, les personnes qui récidivent éventuellement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que déjà, d'intervenir en prison, ça permet de faire directement du lien à l'insertion pour nous. Il y a énormément de détenus qu'on a accompagnés en atelier, que ce soit en atelier cuisine, en atelier jardin qu'on propose ou sur d'autres dispositifs. Par exemple, on propose des ateliers directement à Graines de Soleil où ils vont visiter d'autres structures. Ce matin, par exemple, on a visité une chèvrerie. Les détenus, ils ont nourri les chevreaux. C'était une super journée. Et donc, ces activités-là, on constate en tout cas que pendant tout ce parcours-là, c'est très rare les cas de récidive pendant le parcours à Graines de Soleil. On est sur plus de 65% de sortie dynamique. Ça veut dire quoi, juste pour qu'on comprenne une sortie dynamique ? Donc une sortie dynamique, ça va être soit un projet de formation, donc ils sont placés sur une formation, ou alors qui ont un emploi durable, voilà. Donc en sachant que nous, on accompagne environ 10 détenus par an, bon, c'est en sortie entrée permanente, donc voilà, mais à peu près. Donc on est vraiment sur du positif, et de manière générale, je reviens sur les témoignages, on a beaucoup de personnes qui arrivent à Graines de Soleil, et il y a une difficulté de s'adapter aussi quand on change d'environnement, et on voit petit à petit que les personnes s'ouvrent, qu'il y a des liens sociaux qui se créent avec les autres salariés en insertion, donc ça fait de la diversité, la cohésion sociale, etc., etc., et ça crée vraiment, en tout cas, un environnement positif pour aller vers un avenir positif. Vous nous parlez visiblement le bilan est positif pour tout le monde, pour les détenus, pour les surveillants. Oui. Pourquoi est-ce qu'elles ne se développent pas plus, ces alternatives? Vous, qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce qui bloque pour développer ça plus largement? Déjà, il y a le frein financier. Il y a eu drastiquement des réductions budgétaires. Donc, évidemment, ils ont imputé les activités d'insertion, ou, entre autres. Donc, ça nous limite dans ce champ d'action-là. Moi, je pense aussi qu'il y a une problématique aussi d'accompagnement individuel, que ce soit ce que je constate dans les prisons, mais ce que je constate aussi, moi, parfois, en atelier. Parfois, c'est difficile. Il y a des personnes qui demandent plus d'attention. Il y a des personnes qui mériteraient aussi qu'on prenne le temps d'écouter. Donc, moi, j'essaie vraiment d'instaurer des temps de communication. J'insiste à dire, s'il y a un problème, venez discuter avec moi. Il n'y a pas de... j'aime pas être sur le système bâton et carotte. Si vous agissez mal, vous êtes rejeté de l'activité. Pas du tout. L'idée, c'est vraiment de communiquer, de créer un environnement sain où on peut être libre aussi d'être soi. Parfois, ça va pas. Il y en a qui vont pas bien. Et parfois, ça demande un accompagnement individuel. Et je pense que la surpopulation des prisons, comme on en a parlé, il y a aussi les problématiques de sous-effectif de personnel. Souvent, moi, quand je vais en prison, on me dit là, on n'a pas de surveillant, on a un problème, il y a un tel qui est malade et il y a un tel qui a tel problème. Voilà, ça arrive. Et donc, ils ont des difficultés déjà de base à avoir suffisamment de personnes et de surveillants. Et après, quand quelqu'un n'est pas là, évidemment, ça pêche. Donc, je pense qu'il y a vraiment une problématique d'accompagnement plus personnalisé, plus individuel, ce qui est possible après quand on est en insertion, où là on peut prendre plus de temps pour s'occuper de la personne, ou même quand on est hors les murs aussi, parce qu'il va y avoir aussi ce bouillonnement dans le bâtiment qui fait que parfois il y en a des personnes qui sont moins accessibles. Voilà. Mais vraiment l'accompagnement individuel et puis les moyens, ça aussi ça manque pour pouvoir intervenir correctement et qualitativement. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, d'avoir pris le temps de discuter. Comme pour Prune Missoff, elle reste évidemment en deuxième partie de soirée, donc vous pouvez lui poser des questions. Merci. Merci. Alors, depuis mon reportage, Mika, le détenu en semis qui plantait des semis, il est retourné en prison. Parfois, c'est un pas en avant et trois pas en arrière, me dit Théo, un des responsables de Graines de Soleil. Au moment où je terminais cette enquête, Nicolas Jognot, le directeur de la prison de Magicavo à Mayotte, a posé sa démission. Ça faisait 10 mois qu'il était en poste dans cette prison qui avait été créée justement pour lutter contre la surpopulation carcérale en 2015.
Fin septembre, des détenus avaient lancé une mutinerie et ils avaient pris en otage un surveillant pour dénoncer leurs conditions de détention. C'était la deuxième mutinerie, 2 ans après une autre mutinerie qui avait été lancée. Le garde des Sceaux était venu sur place, il avait promis l'ouverture d'une nouvelle prison et il était reparti. 2 ans plus tard, on est sans nouvelles de cette prison. Je vous propose d'écouter Nicolas Jauniaux lors de l'annonce de sa démission qu'il a diffusée en direct sur une chaîne télévisée locale qui s'appelle Quasi. On l'écoute. Je souhaite attirer l'attention sur cet établissement et ainsi contribuer, à ma modeste mesure, à améliorer les conditions de travail des personnels et les conditions de vie des détenus. J'ai aimé et servi cette administration pendant 27 ans. C'est le cœur lourd que je la quitte. Je vous remercie. Construire de nouvelles places de prison ne résoudra ni la délinquance ni la récidive. Et c'est le truc qui m'a le plus marqué durant cette enquête. Toutes les personnes à qui j'ai parlé, que ce soit les détenus, les surveillants, les responsables du service d'insertion et de probation, ou les anciens détenus, tous disent que le système d'incarcération est au bord de la rupture et que le système est intenable. Pourtant, nos responsables politiques, on l'a vu, tous ceux qui sont en poste en tout cas, bah, ils trouvent que la seule solution digne de ce nom pour punir, c'est l'emprisonnement. Et tant pis si le nombre de détenus explose chaque jour un peu plus. Tant pis si le nombre de détenus passe entre 20 et 22 heures sur 24. Tant pis si les détenus retournent en prison quelques années après leur première incarcération. L'essentiel est de montrer à l'opinion publique qu'ils agissent contre la délinquance. En Allemagne, 70% des détenus ont accès à un travail. En France, ils sont seulement 30%. On l'a vu, le développement des peines alternatives à des activités, à du travail, permet de réduire la récidive et la délinquance. Pour terminer, je voudrais vous partager les mots de Dominique Simoneau, contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui m'a dit « Pour résoudre la surpopulation carcérale, il faudrait avoir le cœur plus large ».